Coucou, bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV, bienvenue dans notre chaîne. Nous sommes dans notre rubrique La cuisine de Mermo. Là, je suis au marché, Nazana Wendy. Je suis allée acheter les fruits et les légumes. Nakiko Somba, bah fruits, na bah légumes. Et le marché maintenant, hein, on peut tout trouver hein, dans le marché maintenant. Voilà, voilà. Donc là, j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté des oignons, de poireaux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et de la salade aussi. Après le marché, il faisait très, très froid. Trop même. Alors, je suis rentrée pour faire mon poisson. Et voilà, je suis rentrée chez moi. J'avais trop faim. Comme j'avais assaisonné mes poissons la veille, avec l'assaisonnement fait maison, j'avais expliqué à la vidéo précédente. Donc il y a beaucoup plus de tomates fraîches avec du poivron, de l'ail, du gingembre, des oignons, du coriandre, du persil, de feuilles de laurier, j'ai mis beaucoup de choses, un peu beaucoup de choses. Voilà, voilà, j'ai rajouté le bouillon de poulet aussi. Et voilà, un peu d'huile, vraiment pour permettre à nos poissons et kotamungwa bien. N'hésitez pas de mettre un peu de sel, même si vous allez mettre le bouillon. Donc comme moi, j'avais mis un peu de sel naturel, de gros sel, et le bouillon de poulet. Là, je suis en train de faire mon poisson. Regardez. Vraiment, ces poissons, vous allez voir comment j'avais mangé ma lait, ma façon mon pot. Non, pas possible. Voilà, donc là, comme il faisait très froid dehors, j'avais attrapé le froid. Donc, je profitais le temps que mon poisson était en train de frire. Moi, j'ai pris de la menthe fraîche. Comme vous voyez, je mets du citron et un peu de gingembre. Avec de l'eau très bouillante, vraiment bouillante. Et le temps que le poisson, je puisse finir de faire mon poisson, faire la semoule et tout, je laisse ça comme ça effuser et je vais le boire après le manger. Ça m'a fait vraiment du bien. Et voilà, là je rajoute de l'eau, vous voyez, c'est vraiment bouillante, je rajoute. Et je ferme, je laisse comme ça. J'ai laissé plus de 30 minutes. Voilà, voilà. Et la famille, regardez le résultat. Là, je finis de faire la semoule et tout. Le goût de ça. Et la famille, regardez. Ne partez pas, regardez comment je vais manger. J'ai même oublié qu'il y avait la caméra. Ah non. Quand on prépare bien mon poisson dorade là, c'était trop bon, donc j'ai goûté comme ça, regardez vous-même. Là, j'ai dit, je vais un peu goûter. J'ai goûté comme ça, oh là 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 là, franchement, c'est trop bon. Regardez, j'ai pris encore la semoule et je continue de manger avant de s'asseoir. J'avais trop faim et... voilà mon poisson et tout ce que j'avais préparé, ça me donnait vraiment l'appétit quoi. Je ne sais pas, même vous, je pense que ça vous donne l'appétit hein. Alors n'hésitez pas de refaire pareil le poisson. L'assaisonnement principal c'est les oignons, la tomate fraîche, le poivron et vous pouvez mettre d'autres assaisonnements de votre choix. Regardez la famille, comment j'ai presque tout mangé. Et j'étais KO, vraiment. Voilà, donc là, je finis de manger. Et comme il y avait mon fils à côté qui jouait, donc je pouvais pas, il y avait de la musique, tout ça là. Et moi, je parlais, donc il y avait un peu de bruit autour de moi, c'est pour cela. Je vous explique comment j'ai assaisonné le poisson, comment c'était trop bon, comment j'ai trop mangé. Et là, je vais prendre le thé de menthe, tisane de menthe, citron, gingembre et miel. Na meliango vraiment bien, et belépé et salinga bien.
n'a permis, et voilà, c'était vers midi, entre midi et deux. Donc, j'avais fait ma sieste aussi après. Et voilà, la famille, franchement, mon après-midi, c'était bien. Et moi, je vous dis là, à très, très bientôt. À très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un j'aime, des commentaires aussi pour m'encourager. Merci de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Belinda Benz TV, nous avons beaucoup de rubriques. On fait des vlogs, des conseils, des astuces. Vraiment, c'est votre chaîne. Vous allez vous retrouver. Merci, merci et à très très bientôt, la famille. Là, je suis KO, je suis fatiguée. Allez, bye bye.